Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Starbound V4 Please Giraffe. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un petit truc, donc j'ai toujours mal à la gorge comme vous pouvez l'entendre. Je pense qu'on refera une aventure pour la combat update et pour la story update, etc., 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 etc. Et qu'on changera de race et qu'on recommencera à zéro, qu'on refera tout. Je pense que c'est pratique pour ceux qui découvrent le jeu, surtout qu'avec les promos Steam, je pense que le jeu a dû avoir une sympathique promotion. Donc je pense que ça pourrait être pratique pour tout le monde. Et surtout, vu que c'est une aventure complète, on va devoir... vu que le combat est une des dynamiques du jeu et qu'il change complètement, je me suis dit que, après tout, reprendre une aventure depuis le début avec des combats améliorés serait pas une si mauvaise idée. Donc on continue notre exploration. Aujourd'hui, nous sommes encore sur une planète de type Ocean. Et moi, je verrai donc pour transférer un petit peu tous mes objets, entre guillemets, à mes nouveaux personnages. Hop, voilà. Tous mes anciens objets seront donc transférés un maximum. Voilà pour ce qui est de ce qu'on fait actuellement et du potentiel qu'on peut perdre, mais qu'on ne perdra pas au final vu que je récupérerai tout. Vous voilà prévenus. Donc, on reprend notre recherche. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans l'attente de la sortie d'Horizon. Nous sommes le 30. Elle est censée sortir le 30. Le 30 est terminé, le 30 novembre. La journée du 30 novembre est terminée dans certains pays. Et par conséquent, ça commence déjà à rager un petit peu sur les serveurs. Enfin, sur les forums. Bout, bout. Donc bon. Hop. Il nous reste quelques objets normalement à avoir ici. Je suis pas allé vérifier, remarque. J'aurais peut-être dû. Allons-y. Parfait. Tout ça, on l'a déjà. Bah écoutez, je vais aller vérifier une seconde, je reviens. Re, chers amis. Alors effectivement, il nous reste encore des objets à trouver. Deux objets complètement débiles. J'ai hâte qu'on les trouve pour pouvoir vous les montrer. Vous allez rigoler. Hop. On y va. C'est marrant, il ne veut pas m'enlever celui-là, mais c'est pas grave. Il veut pas me l'enlever. Hop, c'est parti. Crac. Et crac. Alors ici, est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. Hop, on remonte et on part à la... Ah, bah il y en a un paquet de ces trucs là. Alors je suis pas particulièrement fan de ces trucs là pour la simple et bonne raison que c'est chiant à casser. Hop. Voilà. Et il y en a toujours pas. Bon, je vais même pas le prendre. Hop. Rien par là. Là, il y a un coffre. Non, je l'ai déjà. Donc, il y a de la glace ici, c'est impressionnant. Hop. Rien ici. Hop. Rien non plus. Ah, peut-être par là. Non, apparemment, il n'y a rien par là. Progressons. Voilà, c'est ce qu'on appelle un gros progrès, ce qu'on a fait là. Hop. Parfait. Ah. Ça descendait assez bas, effectivement. Tu m'étonnes qu'on l'ait pas chopé. Alors, ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord, d'accord.
Mais c'est très logique tout ça, dis donc. Toujours pas. Alors. Voyons voir, voyons voir. Reprenons l'exploration normalement un petit peu pour voir ce que ça donne. Si c'est toujours aussi peu rentable ou pas. Effectivement, ça me semble pas rentable des masses, hein, au niveau de la vitesse de déplacement. Oh, voyez donc intérêt à arriver précisément. Je l'ai déjà. Encore une de ces saloperies de maison. Hop. Voilà. Toujours pas. Toujours rien. Rien non plus. Rien non plus. Je sais pas si c'est moins lent, moins rapide, pardon, ou pas. Finalement, on va assez vite, hein. On va assez vite. On va assez vite. Qui est-il par là? Absolument rien. Hop. Encore une maison, ça commence à être saoulant un petit peu là. Hein. Hop. Voilà. Hop, rien non plus de ce que je recherche. Oh, il t'aurait pu m'envoyer au bon endroit quand même. Pas forcément. Encore? Ça commence à faire énormément de maisons là. Hop. Toujours pas. C'est vraiment saoulant. Oh putain. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Hop, parfait. On y va. Crac. Hop. 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 Et j'ai plus d'énergie. Dommage. Hop. Hop. Oh, il y a une encre. Et dessous, il y a un trou. Intéressant. Avec un coffre. Et trois ballons d'eau dedans. Génial. Merci le jeu. Tu te fous à peine de ma gueule. Hop. Hop. Il est moche celui-là. Hop. Il n'y a vraiment rien. Il nous reste deux objets, je crois que je les ai jamais vus. Même dans mes autres parties. Quoique. Si, sur les deux objets qui nous restent, les trois objets du set, il y en a peut-être un que j'ai vu. Hop. Hop. Encore une maison, et on l'a déjà faite. Eh ben, on a déjà fait le tour de la planète, chers amis. Oh, c'est déjà la fin. Bon, bah alors je vais vous spoiler sur ce qu'on cherche. Enfin, vous spoiler plus ou moins. À
cool, on peut déjà rejoindre la surface. C'est bizarre. Alors, d'accord, en plus il fait un petit saut. Est-ce que c'est ici? Voilà. On recherche le reste de ce set. D'ailleurs, vous savez quoi, on va le mettre. Hop. On recherche le reste de ce set, c'est-à-dire entre guillemets le soutif. On va appeler ça le soutif parce que c'est pas un haut, hein. C'est un soutif. Et ce qui va au niveau de la tête. Et je vous dis pas plus de ce que c'est. De toute façon, le soutif, je pense que vous avez une idée de ce à quoi on peut s'attendre dans le jeu. Ça, je vais le virer vu qu'on en a déjà une ici. Hop. Et nous, on va se diriger donc vers la prochaine planète. J'espère que vous allez commenter au sujet du fait que je choisisse de reprendre une aventure à zéro. Pour ce qui est de, en tout cas, de la combat update qui devrait arriver rapidement. Hein. Actuellement, nous sommes donc le 30. Donc le 30 novembre, c'est ça bien ça. On est le 30 novembre. Donc normalement, la nightly build est arrivée donc, pour le week-end précédent. Donc j'estime qu'on peut espérer arriver très rapidement la combat update dans la semaine. Moi j'attends toujours pour Elite Dangerous Horizon, donc voilà, toujours en attente des prochains jeux, hein. Dépêchez-vous, bordel. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.